Me llamo Amarna Miller. Soy actriz porno y nací en un país hipócrita donde la misma gente que me llama puta se pajea con mis vídeos. Un país que ama la vida, pero permite que se mate en nombre del arte. Un país indignado por la corrupción, pero que sigue votando a ladrones. Donde se salva a los mismos bancos que desahucian a miles de familias. Un país que se dice laico mientras le pone medallas a las vírgenes. Que trata a los que migran como héroes y a los inmigrantes como basura. Un país donde los que se suponen guardianes de la moral pueden llegar a ser los más peligrosos. Donde la prostitución aún no es legal, pero cada año crece el número de clientes. Un país que se cree abierto y tolerante, donde un árbitro recibe amenazas de muerte por ser gay. Sí, vivimos en un país asquerosamente hipócrita, pero algunos no nos rendimos. Got some news today from the radio man. He spoke the words somber and as softly as he can. The world stood still and the sky opened up. I made my way to fill up my coffee cup. Then it occurred to me as the daylight sky shone blue. Today's the day that Johnny met June. He waited a while, he knew that he would. He was gonna hang around here for as long as he could. The days went by, and hours idle passed. He was never sure just how long he would last. But there's not much love in a lonely room. Today's the day that Johnny met June. Have a good summer. You too. Thanks. Hey, you must be bored. No way. This is the guy that I was running through the library. You're kind of, oh. Yeah. Like, guilty. So. Oh my god. So you like to write on desks? Yeah, that's what I do. Mesdames, messieurs, si je vous ai fait venir en urgence, c'est que nous avons un énorme problème. Nous avons plus de 60 tonnes de déchets toxiques sur les bras. De l'acétone, du cadmium, de l'ammoniac. Il faut absolument trouver une solution pour nous en débarrasser, et vite. J'attends vos propositions. On peut pas les envoyer dans une usine de retraitement ? Mais non, 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 trop cher. Ou faire comme la dernière fois, on achète un terrain et on les enfouit discrètement. Non mais c'est fini cette époque, on aura les écolos sur le dos en moins de 24 heures. Et les embarquer vers un pays moins regardant ? Non mais c'est tout. Vous pouvez pas me trouver une solution plus simple, plus économique, plus efficace ? Et si on les faisait avaler aux gens ? Avaler ? Mais c'est des trucs dégueulasses, ils vont s'en rendre compte. Non, 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 à petite dose, un peu tous les jours. Ils se rendront compte de rien. Le tout, c'est de les habituer le plus tôt possible. Avec des jeunes, par exemple. Au marketing, les gars n'ont qu'à leur suggérer que c'est cool les rebelles. Ça marche à tous les coups. Mais ça se présenterait comment, votre truc, là ?
Je crois que je vois assez bien comment ça pourrait être. Arsenic, acétone, DDT, ammoniac, polonium 210. Fumer, c'est servir de décharge aux pires produits toxiques. Ne vous faites pas rouler par la cigarette. Et ça va nous coûter combien, votre affaire ? Bah rien. Les jeunes sont prêts à payer pour avaler ces merdes.